La semaine a été chargée en émotions pour Gary Gensler, le président de la SEC. En fait, M. Gensler a reçu en début de semaine une lettre d'un groupe bipartisan de représentants du Congrès exigeant l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant. Le président de la SEC s'est aussi présenté devant la Commission des services financiers des États-Unis qui ne l'a pas ménagé sur le sujet du Bitcoin. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, Kraken, qui envisage d'élargir ses services pour inclure le Trading d'action en 2024. Pour ce faire, en respectant les régulations, Kraken prévoit de lancer Kraken Securities. Initialement, ces nouveaux services seront disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni, où Kraken aurait déjà obtenu des licences nécessaires. Cette expansion permettrait à Kraken de diversifier ses offres et de se positionner face à des concurrents tels que Itoro et Robinhood, tout en se démarquant de Binance qui connaît actuellement des difficultés. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Tether qui investit en Allemagne. En fait, la société émettrice du plus grand stablecoin au monde, l'USDT, a investi 420 millions de dollars dans la société de minage de crypto-monnaies, Northern Data Group, basée en Allemagne, acquérant ainsi 10 000 GPU et devenant ainsi un actionnaire significatif de la société. Bien que le montant exact de la participation ne soit pas confirmé, ces GPU puissants et recherchés sont utilisés dans le minage et l'intelligence artificielle. Finalement, l'investissement illustre la diversification de Tether qui, tout en restant un leader dans les stablecoins avec une capitalisation de 83 milliards de dollars pour l'USDT, s'étend à d'autres secteurs telles que la production d'énergie, le minage de Bitcoin et les technologies de la communication. Pour la troisième actualité, on part du côté du géant Binance qui fait peur à ses clients français. En fait, les clients de Binance France sont actuellement incapables de déposer ou retirer des fonds depuis la fin du partenariat avec le processeur de paiement PaySafe. Bien que Binance ait promis une transition sans interruption de service, de nombreux clients se retrouvent avec des comptes bloqués. Binance est en négociation pour prolonger le partenariat avec PaySafe, mais en attendant, les retraits et les dépôts restent inaccessibles pour les Français. Cette situation critique survient dans un contexte de défis réglementaires et judiciaires pour la plateforme en France, avec des enquêtes en cours concernant la conformité de ses services et procédures. Pour la quatrième actualité, on part du côté de la société américaine qui continue d'accumuler des bitcoins. En fait, MicroStrategy, dirigée par Michael Saylor, a acheté 5 445 bitcoins supplémentaires pour 150 millions de dollars, portant son butin total en bitcoin à 158 245 unités, équivalent à plus de 4,68 milliards de dollars. Alors cet achat récent a été financé par la vente d'actions de la société à hauteur de 147,3 millions de dollars. L'entreprise consolide ainsi sa position de plus grand détenteur corporate de bitcoins au monde, avec un prix moyen d'acquisition de 29 582 dollars, par Bitcoin. Depuis le début de l'année 2023, la société a acquis 25 745 BTC et sa plus grande transaction a eu lieu en juin pour près de 350 millions de dollars. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à la semaine de Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission. Alors dans le paysage complexe de la réglementation des crypto-monnaies, un épisode riche en tensions s'est déroulé cette semaine. Une assemblée bipartisane de représentants du Congrès a pris une position définitive en envoyant une lettre salée à Gary Gensler, le président de la SEC des États-Unis. Cette lettre, signée par les Représentants Tom Hemmer, Mike Flood, Richie Torres et Willie Nickel demandaient sans équivoque l'approbation immédiate d'un fonds négocié en bourse, donc d'un ETF, sur le Bitcoin. Et le message collectif des représentants est sans ambiguïté. Le refus d'approuver un ETF Bitcoin au comptant est indéfendable et contradictoire étant donné les similitudes entre un ETF Bitcoin au comptant et un ETF Bitcoin à terme, ce dernier étant déjà accepté par le gendarme boursier américain. Ils ont souligné que sans explication rationnelle, un tel traitement réglementaire discriminatoire est illégal. La Cour d'appel s'étant fait écho de ces sentiments. La lettre souligne la nécessité urgente pour le Congrès de veiller à ce que la SEC approuve des produits d'investissement conformes aux exigences du Congrès en demandant instamment l'approbation rapide des ETF Bitcoin au comptant. Cependant, il ne s'agissait pas d'une lettre isolée. Une autre lettre tout aussi importante est arrivée sur le bureau de Monsieur Gensler. Cette lettre émanait des membres républicains de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants et avait été minutieusement programmée pour arriver juste avant une audition cruciale le lendemain. Bien qu'elle ne traite pas explicitement des crypto-monnaies, elle met en lumière les lacunes de la SEC en matière d'élaboration de règles de conformité financière, des questions qui se répercutent inévitablement dans les couloirs de la cryptosphère. Lors de l'audition qui se déroulait le lendemain de la réception de ces lettres, Patrick McHenry, le président de la Commission des services financiers, a dit Diriger les débats sur un large éventail de préoccupations, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, plus connus sous l'acronyme ESG, au marché des capitaux et à l'omniprésente question des crypto-monnaies. L'audition a été ponctuée d'éloges et de critiques à l'égard de M. Gensler. Si certains ont loué ses efforts, d'autres l'ont critiqué sans ménagement. Les représentants ont bombardé Gensler de questions et de remarques précises sur la transparence, la consolidation du pouvoir et les excès de la réglementation. D'emblée, le président McHenry n'a pas mâché ses mots. Il a immédiatement posé une question à M. Gensler, lui demandant de clarifier le statut de Bitcoin en tant que titre, une requête qu'il a qualifiée de softball, précurseur de questions plus difficiles. La réticence de M. Gensler était palpable, mais après une série d'échanges tendus, il a concédé que le Bitcoin ne répond pas au test OA, qui est la loi du pays pour être une valeur mobilière. Par ailleurs, rappelons que l'autre régulateur américain, la CFTC, considère le Bitcoin non pas comme une valeur mobilière, mais comme une marchandise. C'est dire à quel point la situation est loin d'être claire de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, McHenry n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué les relations entre Gensler et la défunte plateforme FTX. Il a déclaré, je cite, Notre patience est vous refusez d'être transparent avec le Congrès concernant vos interactions avec FTX et Sam Bankman-Fried. Je ne veux pas être le premier président à émettre une citation à comparaître devant le Congrès et vous ne voulez pas être le premier président de la SEC à en recevoir une. En définitive, nous verrons si cette audience aura un effet sur l'acceptation par la SEC des nombreuses demandes de TF Bitcoin au comptant. En tout cas, et les taux se resserre sur le gendarme boursier américain. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.